avons été pris le 30 septembre 2011. Rendre obligatoire le modèle double la consommation de produits d'origine animale. Il faut savoir que la France est un des pays au monde qui consomme le plus de produits animaux. Viande, œufs, poissons, lait. C'est trop bon de manger comme mange les Français. Consommation de produits animaux va à l'encontre du futur, à l'encontre de l'avenir pour nos enfants, va à l'encontre de l'avenir pour l'environnement. C'est un modèle qui va à l'encontre des droits des familles végétariennes. C'est un modèle qui va à l'encontre des convictions religieuses pour la liberté de conscience, pour la liberté de conviction. Nous demandons l'abrogation du décret et arrêter la restauration collective. Ce décret s'est arrêté, rend obligatoire la présence de viande, poisson, fromage ou œuf dans le plat principal de chaque menu. Et pas toutes les viandes. Un certain nombre de viandes qui correspond à l'objet même du CIV. Le CIV est le centre d'information des viandes qui est piloté par la filière bovine. Voilà où on en est aujourd'hui, un ministère de l'Agriculture infiltré par les filières viande. C'est une démarche malhonnête. Respect des convictions dans l'alimentation. Respect des convictions dans l'alimentation. Manu VG, Manu républicain. Pour que le monde entier sache qu'aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture est pourri par les loups. L'intérêt de l'environnement, l'intérêt de la santé publique, l'intérêt des populations qui ne sont pas dans les pays riches comme nous sommes ici, parce que la France est le premier pays de consommation de produits animaux. Donc on va essayer de faire valoir qu'on aimerait bien que la réglementation ne soit pas un frein à une alimentation solidaire. Voilà, merci. Reçu par Monsieur Jean-Luc Angot, qui est directeur de la DGAL, si je ne me trompe pas, et par le conseiller sur l'alimentation. On a exposé nos griefs donc sur les deux gros points qu'on aborde ici, c'est-à-dire la liberté de conscience, aussi avec le CCIF, qui est le comité contre l'islamophobie en France, donc sur la liberté de conscience. Et puis, on est aussi allé sur le modèle d'hyperconsommation de produits d'origine animale. Donc, on a été écoutés, ils ont pris des notes, et on a donné des documents, on a donné notamment la position de l'Association américaine des diététiques, on a donné le livret viande.info qui revient sur l'impact de l'alimentation à base de produits d'origine animale. On a donné le guide du lundi végétarien et le guide des chefs de façon à montrer les alternatives. Et donc on a dit que le décret et l'arrêté empêchaient toutes les alternatives et toutes les évolutions au niveau des cantines. Et donc ils ont pris bonne note. Ils vont nous mettre en contact avec Gwenaëlle Bizet qui est chargée de rédiger une note de service qui va servir à effectuer les contrôles. Et ils disent que dans la note de service, prendre en compte ce qu'on a demandé, mais nous on a dit que le décret en l'état de toute façon ne permettait pas les alternatives et était interprété comme tel par les mairies, notamment la mairie de Comet.
On leur a dit qu'on posait un recours, enfin qu'on était en train d'étudier les possibilités d'un recours devant le Conseil d'État pour faire abroger ce décret et cet arrêté. Voilà, nous, ça, en tout cas, ça ne stoppe aujourd'hui pas du tout la procédure qu'on a mis en route. Et ça n'empêchera pas de continuer de revendiquer. On va voir ce qui ressort en discussion après, de ce qu'ils auront conclu. Alors pour eux, c'est pas du tout dans cet objectif qu'a été publié le décret et l'arrêté. Donc on leur a fait la citation de M. Bruno Le Maire qui disait bien que ça visait à freiner les discours de réduction de la consommation de produits d'origine animale. Donc ils disaient non, le plan nutritionnel de l'alimentation, c'est pour offrir une alimentation diversifiée et au choix. Et donc on a dit que là, en matière de choix, justement, on n'y était pas, quoi. On n'y était pas du tout, que le décret et l'arrêté qui venait d'être publié, au contraire, faisait un couloir très restrictif aux mairies, aux cantines, et que c'était pas possible d'en sortir, et ça crée alors des problèmes au niveau individuel pour liberté de conscience, aussi bien au niveau éthique pour les animaux que au niveau religieux, et puis l'autre aspect sur l'hyperconsommation de produits d'origine animale. Et là, ils vont expliquer que le développement durable, ça s'appuyait donc sur le plan, il y a les trois pans économiques, social, environnemental, et qu'on ne pouvait pas tirer sur un pan si ça déséquilibrait les autres, etc. Donc on a mis en exergue que si économiquement ça allait bien et socialement ça allait bien pour les pays européens, ce n'était pas le cas justement, notre politique de développement durable ne prenait pas en compte les autres régions du monde. Voilà. On a demandé à relire, en toute modestie. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible parce que sinon il fallait qu'ils fassent relire à l'ensemble des acteurs qui avaient pris part au décret et à l'arrêté. Voilà. Et alors on a demandé à être associés aux prochaines discussions et a priori ils ont pris note de nos coordonnées et on serait associés, mais bon, on n'a pas encore de. Non au décret.